RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-tom, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Et parmi les chefs d'équipe, parmi les personnalités importantes ici ce soir, nous avons bien sûr celui qui est à la tête de la région depuis maintenant 2015 et qui va donc s'exprimer, qui depuis de nombreuses années lui aussi s'exerce à développer le pays avec toute une série de projets, de programmes et d'actions sur le terrain. Le voici avec nous, mesdames et messieurs, je voudrais l'accueillir bien fort, monsieur Harry Chalus, le président de la région de Guadeloupe. Bonsoir, président. Merci, bonsoir. J'aime pas le terme personnalité importante. Nous sommes tous importants, quel que soit notre niveau. Mon cher Joël, je te l'ai dit en arrivant, si c'était pas toi, je ne serais pas là. Parce que je suis extrêmement fatigué, mais je ne pouvais pas ne pas être là à tes côtés. Surtout en tant que Maroussien, en tant que voisin de l'homme. Donc tu vois, monsieur le maire, de cette âne, les Maroons sont venus faire le bien à cette âne. Mais étant donné que nous sommes tous là ici en Guadeloupe, nous travaillons pour notre région, Guadeloupe, comme toi, comme moi, comme Jacques et les autres. Sans parler de génie, c'est vrai, nous avons beaucoup de talent en Guadeloupe. On l'oublie souvent, je le répète tous les jours, beaucoup de talent en Guadeloupe. Quel que soit le domaine. Mais pour que nous puissions mettre en exergue nos talents, comme l'avait Joël, comme le fait Joël, nous aimons nous, pour nous solidaires, pour pas jeunes dans les points en voisin. Et la voie par ensemble. Je ne sais pas si Joël se rappelle, j'ai grandi dans le Val-de-Marne. Je me battais pour qu'on puisse avoir un aqualand en Guadeloupe. J'allais souvent à Aqua Boulevard. Je ne sais pas si Joël te rappelle. À Aqua Boulevard. Je me disais pourquoi on n'a pas ça chez nous. Et je me rappelle quand Joël venait le voir. C'est dommage, la surface de terrain qu'il souhaitait avec Maro à l'époque n'était pas suffisant. Et il m'a dit qu'il fait son projet à cette âne. Et je pense que c'est le bon lieu. En plus de ça, c'est une ville touristique où il y a de belles plages. Donc j'espère bientôt, Joël, tu auras peut-être une salle de sport comme à Grand Boulevard, où on a encore beaucoup de cette année ici. Il y a beaucoup d'autres choses et nous sommes là pour t'accompagner. La région est là pour t'accompagner. Tout ce qui est projet de développement pour la Guadeloupe, pour créer de la richesse et de l'emploi, nous sommes là pour cela, il y a des fonds pour cela. Je ne peux que t'encourager et tu sais, tu m'appelles quand tu veux, je suis à ta disposition. Nous sommes d'abord des amis avant d'être élu le chef d'entreprise. Nous sommes d'abord des amis. Je tiens à te le dire, hein, si tu es vivant, on doit le dire, je te félicite pour ce que tu fais, autre qu'à quoi. Kaoukia Alain, ce que tu fais dans ta vie de chef d'entreprise, l'accompagnement que tu apportes aux associations,
et aux personnes qui donnent toute la main. Merci pour cela. Bonne année. Alors nous sommes l'honneur de cette année. Alors on peut attendre la parole, moi avec les autres. On est resté là à vous écouter. Maintenant, nous nous parlons, vous êtes en train de manger. Alors, non, j'ai bien aimé parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait plaisir et quand je suis quelqu'un qui aime, je suis assis. C'est pas possible. Quand lui est arrivé, je ne sais pas si j'ai mal entendu, il a dit mon alcoolique ou mon acolyte. Ah, mon acolyte. Alors, il pose la question. Non, c'était la petite plaisanterie. Pour vous dire qu'effectivement, depuis quelques années, nous finançons énormément de films ici. Nous avons beaucoup de jeunes producteurs, de jeunes qui ont décidé. Moi, je ne sais pas combien de temps vous êtes ici, combien de temps vous allez revenir, je ne sais pas. Ce serait bien de mettre en place, je ne sais pas si vous pouvez parler de formation des jeunes Guadeloupéens, dans vos domaines, pour parce que vous partiez un jour, vous ne resterez pas ici. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être avec Joël, voir comment mettre une formation pour les jeunes, comment peut-être, en fonction de vos compétences, je ne sais pas vraiment dans le cinéma, je suis le cinéma. Je vais vous dire que moi, j'ai plus de 3 minutes. Je suis malade, malade de fou. Tous les jours. Hein? Action. J'ai vu tous les jours. Le vrai de fort, hein? Pas celui qui passe maintenant. Il y a un seul certain. Ça, c'est le vrai. Les autres, il y a fantôme de fort. Non. Les sons, on parlait de les sons, on parlait de la économie. Ouais. Il y a plus de les sons. Donc, merci, hein, de ce qu'on fait. On a beaucoup d'idées. La région finance beaucoup de films ici et on sera là pour accompagner Joël. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez mettre en place un monsieur de l'air de cette année. Pour les jeunes de la Guadeloupe, plutôt cette année, c'est plus près. Pour une quinzaine de jeunes, peut-être, toucher du cinéma un peu, qui parle, le toucher. Ce que vous voyez en fonction de vos compétences. Merci de la confiance que vous me faites. Tout d'abord, parce que je peux répondre partiellement. Autorité à ce que vous voulez dire. De toute façon, ce que vous venez de visiter, le studio Carmichara, est déjà la mise en place des ressources nécessaires et suffisantes pour enchaîner sur ce que vous dites. C'est-à-dire que il n'y aura pas de film d'animation si nous ne mettons pas l'âme de la Guadeloupe dans ce film. Pour mettre l'âme de la Guadeloupe, j'ai pu dire, il faudra échantillonner les sons de la Guadeloupe, qui sont extraordinaires. Et donc, avec le studio qui est ici, il y a fort à parier qu'on peut ouvrir à des formations d'ingénieurs du son, de preneurs de son, de mixeurs, dans un premier temps, puisque la structure le permet, aujourd'hui, ce que vous avez vu, tourne déjà et est déjà une possibilité, tout comme sur l'image, puisque vous avez vu que le fond vert, la pochette capture, les postes de travail permettent de faire de l'animation des effets spéciaux, et donc, ça sera évidemment à discuter avec les directions du studio, mais en tout cas, toute la compétence qui est la nôtre et les gens qui vont accompagner pour ce projet, pourront être transférés ici à l'usage et pourront répondre enfin. Emmanuel et moi allons normalement faire beaucoup d'allers-retours dans les 3 prochaines années. Et si la Guadeloupe nous adopte, il n'y a pas de raison que nous ne l'adoptions pas. Voilà. Eh bien, merci, c'est tout ce qu'on voulait. Et sachez que je suis en train de faire mon film il y a longtemps. Ah oui, rigolez. Le titre, non, le titre c'est le boueur. En gros, l'histoire d'un homme qui a perdu sa famille à cause de la drogue de certaines personnes et on retrouve ceux qui ont détruit sa famille dans les poubelles. Alors comprenez, on continue. Écoutez-moi, la seule chose que je peux vous promettre, c'est que forcément quand on fait un film d'animation comme ça, c'est quelque chose comme 300 ou 400 collaborateurs hein, et on va dire une vingtaine de chefs d'équipe. Donc les gens qui sont à des postes très importants, chacun dans leur domaine, par exemple les directeurs artistiques, les directeurs d'animation, les gens du son, etc., etc. Donc tous ces gens-là, on va les faire venir. D'abord parce que pour le film, c'est bien qu'ils s'imprègnent de ce qu'est la Guadeloupe, comment ce film est monté et où est-ce qu'il se passe. Et donc quand ils viennent, il n'y a aucun problème, on peut très bien leur demander de faire ce qu'on appelle chez nous des masterclass. Moi, je peux m'engager à être le premier à le faire si vous voulez. Alors, plus sur ma partie, la partie plus financière, contrat, mais c'est pas... ça fait partie de la production de film, donc comment on monte un film, etc.
je peux accueillir une quinzaine d'élèves et leur expliquer, passer 4 heures à expliquer exactement comment ça marche, quelles sont les écoles. Donc, comptez sur moi. Merci à vous. Donc, Joël, la balade est encore plus là avec le maire de Saint-Anne et la CAO. Merci à vous. Et encore, bonne route à Joël. Merci, M. le Président. Allez, salut à l'instant, nous avons invité en Guadeloupe pour s'exprimer et qui invite évidemment tout un chacun à s'engager dans ce domaine. Mais c'est vrai que le cinéma en Guadeloupe, c'est déjà une très belle école avec pas mal d'institutions et surtout de très belles réalisations. Des films comme Timounao, comme Mortenol, qui ont déjà reçu des prix internationaux et qui ont même reçu des prix de court-métrage à Cannes ou encore d'autres grandes réalisations, notamment aux Oscars. Donc, il y a déjà un travail qui s'effectue, qui se fait sur le terrain avec des réalisateurs comme Nelson Foy, qui fait un travail formidable. Voilà, ce sont des acteurs qui sont sur le terrain. Il y en a un d'ailleurs qui est de Saint-Anne dans le court-métrage Yannis Rosine est passé à Cannes et a reçu le prix du Bourg de Cannes d'ailleurs, qu'on peut applaudir puisque c'est un set à l'air, Yannis. Voilà. Qui n'est peut-être pas là avec nous ce soir, mais qui fait partie de cette nouvelle génération. J'ai eu la chance de le côtoyer en tant que collaborateur sur le média dans lequel j'œuvre. Et là aujourd'hui, maintenant, il y a une carrière de réalisateur qui se dessine devant lui. En plus, on est voisins, puisqu'on est au grand fond tous les deux. Grand fond, alors lui, Saint-Anne, moi, vous, mais bon, c'est pareil. Grand fond, c'est grand fond. On est d'accord, monsieur Père. Très bien. Il est temps, mesdames et messieurs, d'entendre aussi la structure qu'a eu carrément. Cette jeunesse qui est un des atouts majeurs de cette organisation, qui fait que ça fonctionne, qui fait que ça marche, qui fait qu'il y a du lien, qu'il y a de la cohésion sociale, qu'il y a du dynamisme, qu'il y a de la volonté d'avancer, qu'il y a de l'efficacité, du professionnalisme à chaque instant, depuis la cuisine avec le chef jusqu'au bar, en passant par les agents, les animateurs, les managers, pour mon ami Grégory qui est derrière moi, et bien évidemment les autres responsables. Mais déjà, pour commencer, je vous demanderai de nous rejoindre, s'il vous plaît. Madame Tracy Nicolo Maya, mais oui, c'est vous, la responsable de développement de KJD Capital. D'accord, me dit-on, d'abord la jeunesse est caractéristique. C'est vous, la responsable de développement de KJD Capital. D'accord. Me dit-on, d'abord la jeunesse est caractéristique. Effectivement, avant d'entendre la voix de Tracy Nicolo Maya, il faut que je vous raconte quand même l'histoire de Caracaravante. C'est très important, parce que ça n'est pas arrivé comme ça. On l'a dit, on l'a précisé, même si j'aurais préféré que ce soit plutôt son créateur qui l'exprime, qui le dise véritablement, n'est-ce pas Joël? Alors, ce que nous allons faire tout simplement, c'est... Ah ben voilà, c'est ça. Oh, vous m'avez toujours en erreur, mais c'est très bien. Voilà, mesdames et messieurs, pour vous, Tracy Nicolo Maya, je vous en prie. J'ai demandé à mon ami de me rejoindre, Christian, Christian, peut-être celui-ci pour toi. J'ai mis le coffre. Est-ce que vous m'entendez? Super, super. Alors, je vais demander au reste de l'équipe de me rejoindre. Mélissa, Tessia, Grégory. Vous pouvez les applaudir. Cédric, Monsieur le Patin. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. En attendant qu'ils arrivent. Que des personnalités. Super. Comme l'a dit le président, que des personnalités importantes. Comme Cédric Le Catin, champion de cycliste, que je voudrais applaudir s'il vous plaît. Ingénieur, un des maîtres d'œuvre de Caracaravante. Donc aujourd'hui, en ma qualité de responsable développement, je suis ici
ici pour vous parler de tous les projets passionnants sur lesquels nous travaillons, mais aussi parler de l'avenir de nos sociétés. Notre vision est de continuer à croître et à innover dans chacun de nos secteurs d'activité. Vous pourrez le voir, on a un bon petit panel. Donc, je tiens à vous remercier tous et surtout notre équipe pour son dévouement et son engagement, son implication dans tous nos projets. Parce que sans eux, nous ne serons pas là. Vous pouvez les applaudir. Je passe à tout ça. Merci. Il y a quelques mois déjà, j'ai eu la responsabilité de guider notre équipe à travers le processus exigeant de classement. Parce que comme vous le savez, nous avons des hébergements touristiques. C'est avec un immense plaisir que je peux vous annoncer ce soir que nous avons obtenu le classement de résidence de tourisme 4 étoiles pour cette année. Et de musée de tourisme 4 étoiles pour des haies. Merci beaucoup. Cet accomplissement n'aurait pas été possible sans notre équipe et je tiens vraiment à leur montrer ma sincère gratitude et tout particulièrement à Jennifer, ma collaboratrice, où est-ce qu'elle se cache. Elle est quelque part. En tout cas, elle était vraiment un pilier pour moi dans ce projet. Remercie également nos femmes de chambre, je ne les ai pas vues. Nous avons Linda, Micheline et Denise qui étaient présentes, qui étaient vraiment vigilantes au moindre détail, parce que le classement, ça ne rigole pas. Et je remercie aussi chaque corps de métier qui ont su, malgré différents chantiers, travailler d'arrache-pied. On peut les remercier. Merci. Ce classement démontre notre volonté d'aller vers l'excellence, mais aussi un engagement collectif. Et notre vision, notre objectif, c'est la satisfaction client en améliorant nos services. Et pour cela, je vais laisser la place à M. Grégory Doyon, notre directeur d'exploitation, qui va nous en dire un peu plus. Je vous en prie, M. le directeur. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà, donc on m'a chargé de dire quelques petits mots. Mais je pense que je ne pourrais rien dire si je ne vois pas une partie de mon équipe, parce que c'est vrai que je suis directeur d'exploitation, mais un manager, il n'est rien sans son équipe. On va commencer quand même par un monsieur qui est... Il est plus vieux que les murs. Oui, non, je dis, il est plus vieux que les murs. Monsieur, juste nous mettre vos applaudissements. Notre chef cuisinier. On s'embête souvent. On crie souvent. Mais je ne lui ai jamais dit, mais je l'aime quand même. On fait la paire. On est là pour que l'équipe puisse avancer, pour que la société puisse avancer. Il y a juste, bien sûr, Patrice Matabadal, le saumon de cuisine, il s'était croisé en détour du mois de nuit. Non, c'est pas vrai. Il s'était croisé lors d'un événement particulier. Et il m'a dit, oh, Grégory, en bon monde là. Ouais. Il est allé voir à l'époque M. Deschamps a dit, fait des affaires. Et depuis, il est avec nous. Et c'est vraiment une vraie valeur ajoutée parce que, en dehors de sa capacité d'être un saumon de cuisine, en pâtisserie, mesdames, messieurs, je vous dis que lui, j'aime manger des gâteaux, j'aime ça. Lui, il est bon. Franchement. Mesdames, messieurs, Patrice Matabadal. Il y a quelqu'un aussi, Gaëlle, qui est... Elle est où, Gaëlle? Gaëlle Zingilet. Des applaudissements pour elle. Elle fait vraiment tout ce qu'elle peut, même ce qu'elle ne peut pas. Pour que le restaurant puisse tourner, elle m'envoie des messages à Mathieu, Grégory, j'ai besoin de ça. Voilà. Après, oui, il y a eu des applaudissements pour Gaël. Il y a M. Bertin Desiré, je ne sais pas s'il est là. Si on dit que Juste et moi, nous sommes les poteaux mitants, je dirais que Bertin, c'est la base. Bertin, mesdames, messieurs, vraiment, j'ai pris une innovation, dommage, je ne sais pas où il est.
Bertin, c'est un monsieur. Il est là le jour, il est là le soir. Quand on a besoin de lui, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il se démène, il fait tout ce qu'il peut pour que cette société puisse tourner. Sans lui, franchement, je pense qu'on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Mais je ne sais pas où il est. C'est vraiment dommage. Ah, il est allé se changer. Ah, d'accord. Non, mais il aurait pu rester comme ça. Non, vraiment, mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on fasse une ovation pour Bertin. Je l'ai revu encore tout à l'heure. Il s'est appuyé sur la sculpture, sur la wave. Il a fait. Je lui ai dit, Bertin, me rends-moi un service, s'il te plaît. La semaine prochaine, reste chez toi. Reste chez toi parce que tu en as besoin et le mérite. Mesdames, messieurs, à nouveau des applaudissements pour Bertin. Mis à part cette équipe, même dans l'équipe de Bertin, il y a bien sûr Antoine, elles ne sont pas venues, il y a Claudie, il y a Philippe, qui est à l'espace vert, il y a Calix aussi au service animation, je ne sais pas s'il est là, s'il est déjà parti, et service accueil, pardon. Calix Duchamp à l'accueil, c'est notre responsable à l'accueil, il s'occupe vraiment de votre bien-être. De votre bien-être, Calix pour la petite histoire, c'est celui, chaque fois que je dis quelque chose, il m'a dit, ouais, mais et le client, il pense à vous. Il pense à vous, non, pas ce soir, hein, mais bon. Quand vous venez en tant que client, il pense beaucoup à votre bien-être. Voilà, mesdames, messieurs, donc dans son équipe, il y a bien sûr d'autres personnes, comme Maïla, Drissa également. Ce sont toutes ces personnes à l'hébergement, Linda. Tu as parlé déjà de l'hébergement. Voilà, Linda, Denise, Micheline. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est un petit cocon que je chéris particulièrement, parce que je passe la plupart du temps de ma vie avec eux. Je les apprécie beaucoup. Ils m'embêtent, je les embête. On s'envoie des pics des fois. Mais comme je vous dis, dans une équipe, c'est comme les montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais l'essentiel, c'est qu'on avance. Dans tout ce qu'on a fait à l'époque, c'était juste Kawikiganand. Après, on est devenu Kawikoko Park, Kawikoko Lodge, Kawikoko Reset que Mélissa va expliquer tout à l'heure. Nous avons avancé, nous avons eu les Jurassiques l'année dernière. Et maintenant, nous avons la cité des Awawak. Le Rainbow, l'espace Rainbow que vous avez pu découvrir avec les toboggans. Donc, pour celles et ceux qui voudront s'essayer, n'hésitez pas, pendant les vacances, vous pourrez revenir et profiter de ce moment vraiment avec, bien sûr, nos animateurs, avec notre nouveau responsable d'animation qui a vraiment changé la donne, monsieur Philippe Forbin, s'il vous plaît. Démonstrez-moi, ça va pas faire bien, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, des applaudissements pour monsieur Philippe Forbin. Il a eu une mission, c'était d'inverser la courbe. Et depuis son arrivée, on a beaucoup de retours positifs, notamment avec Kenny, Steve. Ce sont des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour vous faire plaisir. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour l'équipe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais en tout cas, Kawikoko Park, Kawikiraland, c'est un espace où on vous invite bien sûr à venir, à profiter. Juste une petite parenthèse, en termes d'énergie, on est vraiment dans le développement, on est dans l'économie d'énergie, parce qu'à partir de courant juillet, normalement, si tout va bien, je dis si normalement tout va bien pour l'instant, le projet est presque terminé. On va faire les essais la semaine prochaine. On sera autonome en termes d'énergie. ONews Radio, c'est toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer. Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-tom, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com.
RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Info et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.